1 Corinthiens Wakorintho wa kwanza 10 kumi. Et puis quand on est là, on va stopper un peu. 1 Corinthiens 10 Wakorintho wa kwanza sura 10:11 1 Corinthiens 10:11 Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 10 Pouvez-vous garder aya ya 11 Vous prenez des chroniques 26:19 Mambo ya siku 26:19 Mambo ya siku ni nyuma ya wafalme après les rois Baada ya roi deuxième roi premier et deuxième chronique 26:19 jusqu'au 21 Même verset. Je vais lire. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait comme le sacrificateur, la lèpre, comme il s'irritait contre le sacrificateur, la lèpre éclata sur son front. En présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums, le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fit le prêt jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. 2 Chroniques, 26, verset 19. Pendant que tu cherches, je pars chez 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 26, 19. Ok. Uzia akakasirika. Naye alikuwa na chetezo cha kuchoma uvumba katika mkono. Naye wakati alipokasirikia makuhani ukoma ukatoka juu ya paji la uso wake mbele ya makuhani katika nyumba ya Bwana. Karibu na madhabahu ya kuchoma uvumba. Azaria mkubwa wa makuhani na makuhani wote wakamtazama. Na angalia alikuwa na ukoma katika paja la uso. Wakamtoa upesi hata yeye mwenyewe akafanya haraka kutoka kwa sababu Bwana amempiga. Uzia mfalme akakuwa na ukoma hata siku ya kufa kwake. Akakaa katika nyumba ya pekee kwa kuwa alikuwa mwenye ukoma. Maana alitengwa na nyumba ya Bwana. Na Yotamu mwana wake alikuwa juu ya nyumba ya mfalme. Akahukumu watu wa inchi. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10. Wa Korinto wa kwanza 10 shairi ya 11. Inasema: Basi maneno haya yote yaliwapata kuwa mfano, yakaandikwa kutuonya sisi tulio fikiriwa mwisho wa siku. Basi yeye anayezania anasimama aangalie asianguke. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Nous sommes dans la
prédication du matin. Tumo katika mahubiri ya asubuhi. Qui dit yanayosema les défauts qui tuent votre destinée. Makosa yanayoua siku zako za usoni. Les défauts. Makosa. Tabia mbaya. Les défauts. Tabia mbaya. Qui tuent votre destinée. Zinazoharibu pahali utakapokwenda. C'est-à-dire maana yake, quand tu vis, unapoishi, tu as la destinée. Kuna yale ulioandaliwa. Kuna siku zako za usoni. C'est-à-dire, maana yake, tu nais, unazaliwa, tu es bébé, ukiwa mtoto, dogo, et il y a un avenir. Na, kuna siku zako za usoni. Ce que tu seras. Kile utakachokuwa. C'est ça la destinée. C'est-à-dire maana yake, ton existence. Sorry? Ton existence. Upinzani wako. Ton existence. Kuishi yako. Est lié à un avenir. Inaambatana na siku zako za usoni. L'avenir, c'est ce que nous appelons la destinée. Siku za usoni ni ikile utakachokuwa. Mais n'oubliez pas. Na msisahau. Nous allons voir. Tutaona. Les défauts. Makosa, tabia, voilà, mbaya, des défauts, tabia mbaya, qui peuvent tuer votre destinée. Ziwezazo haribu siku zako za usoni. Ilize kuua, jumere ça. Ok. Des défauts qui peuvent tuer votre destinée. Tabia ziwezazo ua siku zako za usoni. Vous avez un bon avenir. Ukiwa na siku za usoni njema. Mais des défauts. Lakini tabia zako mbaya. Qui peuvent venir. Ziwezazo kuja et tuer votre destinée. Na zina ua siku zako za usoni. Je vais les expliquer pourquoi. Kwa nini nitazifasilia? C'est pour qu'après la prédication que chacun de nous puisse s'auto-évaluer. Ni kwamba baada ya mafundisho kila mtu ajipime mwenyewe. Examinez-vous. Ajichunguze. Si vous allez trouver que ce que je vais prêcher ukikuta yale nitahubiri fait partie de vos défauts, ni moja wapo ya tabia zako mbaya, allez au genou dans ce tabernacle, upige magoti kanisani humu, commencez à intercéder le Seigneur pour éloigner ça de vous. Anza kusii Mungu kwamba akuepushe na hayo, qu'il éloigne ça de vous, ayiweke mbali na wewe, parce que votre avenir est en danger. Sababu siku zako za usoni ziko hatarini. Vous êtes en danger. Uko hatarini. Et des fois nous sommes en danger sans le savoir. Na mara tunakuwa hatarini na hatujui. Nous avons besoin de savoir où est le danger. Tunayo haja ya kujua hatari iko wapi. Et comment l'éviter avant le temps. Na namna ya kuyaepuka mbele ya wakati. J'ai la possibilité d'étudier les défauts des hommes. Nilikuwa na muda wa kujifunza tabia mbaya za watu. Les recherches. Utafiti. Ont prouvé. Umeonyesha kwamba il y a 233 défauts. Ya kwamba kuna tabia mbaya 213. 233 défauts. 233. Et ça ne peut sortir que par la nouvelle naissance. Hizi tabia mbaya zinatoka ni kwa kuzaliwa mara ya pili. Mais moi, mimi, je pourrais pas parler de 233. Sitaweza ongea kuhusu hizo tabia zote. Le Seigneur Mungu m'a poussé moi de parler de 20. Aliniwezesha kuongelea 12. 20 défauts. Tabia makumi mbili qui ont tué la destinée des gens. Zilizoua siku za usoni za watu wengi. Dans la Bible. Mu Biblia. 20 défauts. Tabia mbaya makumi mbili qui ont détruit l'avenir des gens. Zilizoharibu siku za usoni za watu wamoja. Et ces défauts ne manquent pas dans l'église. Na hizo tabia mbaya hazikosake kanisani. Ça ne manque pas dans des églises. Hazikosake kuwa mkanisa. Ça ne manque pas dans des ministres. Hazikosake hata katika wahuduma. Parce que parmi même les gens dont la destinée avait été détruite, il y avait aussi des serviteurs. Maana miongoni mwa wale ambao siku zao za usoni ziliharibu mlikuwemo na wahuduma. Shalom. Shalom.
nous devons apprendre. Lazima tujifunze. Parce que la Bible dit. Maana Biblia inasema. Ces choses leur sont arrivées eux. Kwamba yale mambo yaliwapata wao. Pour nous donner un exemple. Ili kwamba ziwe mifano kwetu. Afin que celui qui croit qu'il est debout. Kwamba anayejizania kuwa nasimama. N'arrive pas à chuter croyant qu'il est encore debout. Asifikie kuanguka akijiwazia kwamba nasimama. Donc 20 faiblesses qui ont ravagé les gens. Tabia mbaya makumi mbili zilizo haribu watu. Et nous étudions les défauts pourquoi? Kwa nini tunajifunza hizo tabia mbaya? Parce que nous voulons la délivrance totale. Ni kwa sababu tunahitaji ukombozi mkamilifu. Frère Branham a prêché la brochure qu'on appelle la délivrance totale. Jumbe Branham alihubiri mafundisho yanayoitwa ukombozi mkamilifu. Nous devons avoir une vie où on n'a pas de défauts. Tunapaswa kuwa na maisha ambayo hayana tabia mbaya. Attends, je vais traduire moi-même en français, Swali. Apana yi maisha yenye uko naishi na batu wanayua seme uzaifu ya fulani ni iyi. Na batu na wanakuyua vile. Ndiyo, ndiyo. Tunapashwa kuwa na ukombozi mkamilifu. Unaishi maisha yenye venye wanakujua. Venye wanabudu na weye. Ndiyo. Watu wa nyumba yako, watu wa kanisa lako, watu wanaokuwa na wewe. Baki bauliza, fulani vile munamjua. Ni uzaifu gani, ni defo zake gani, ni tabia yake chafu gani, yenye munayua seme anakuwaka nayo, na kama atangukaka, na kama atapoteyaka, na kama atafikaka, kile njoo kitamumaliziaka musafari. Ndiyo, ndiyo. Banaulizana, banasema hatukione. Mm. Banaulizana, banasema hatuone. Anaweza shindwa kuhichi wala kile, sawa mwanadamu me hatumuyweko personelema defo dega maisha machafu yenye tunaweza ambia naseme fulani yeye antuka vyake ni vile. Nous devons vivre une vie spirituelle de sorte que nous n'ayons pas de défauts, de faiblesses que tout le monde connaît sur nous. De sorte que quand on leur demande quels sont nos défauts, que les gens arrivent à dire nous n'en voyons pas. Il peut commettre des failles, des petites choses, mais il n'a pas de défauts bien connus que nous-mêmes les humains pouvons dire que s'il va rater l'enlèvement, s'il va manquer d'aller au ciel, c'est à cause de telles choses. Mm-hmm. Et que les gens ne te connaissent pas en disant, lui il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et nous savons que s'il n'est pas sauvé, c'est à cause de ça. Nous devons avoir la délivrance totale. Une vie dans laquelle vous vivez sans défaut connu, sans défaut que tout le monde sait en disant, lui, il est comme ça. Tunapaswa kuwa na ukombozi mkamilifu, kuwa na maisha ambayo kila mtu anajua kwamba haya makosa sio maisha yako. Na kazalika. Et vous devez avoir la délivrance totale. Na mnapaswa kuwa na ukombozi mkamilifu. Pas de défauts connus sur vous. Apana kuwa na makosa yanayojulikana na watu wote. L'homme dit mon épouse en tout cas ça. Mume, ça ce sont ces défauts. Mume afikie kuweka akilini mwake kwamba mke wangu makosa yake ni haya na haya na haya. Et tabia yake chafu. Mm-hmm. Et la femme? Na mke naye. Il a dit mon époux. Bwanangu naye. Ça. Tabia yake mbaya ni hii hii. Les défauts ont faussé, ont fauché, ont détruit, ont tué l'avenir de beaucoup de gens. Tabia mbaya zilifikia kuua siku njema za watu wamoja. Donc les défauts c'est quoi? Tabia mbaya ni nini? C'est un trait de personnalité. Ni hali ya kiutu ya mutu. C'est vrai. Tu peux avoir une répercussion négative sur vous et sur les autres. Ambayo yanaweza kuwa na hali mbaya juu ya mtu na mtu mwingine. Matokeo mabaya juu yako wala juu ya wengine juu vile njo hali yako inakuwaka. Mm-hmm. C'est ça le défaut. Hiyo ndiyo tabia mbaya. Et Frère Branham dit ceci. Branham anasema. Là, c'est dans son livre qu'on appelle La force parfaite par la faiblesse parfaite. Katika mafundisho yanayoitwa eti nguvu kamilifu kwa udhaifu kamilifu. 19 novembre 61. Tarehe 19 novemba
Paragraphe 43, je vais lire. Tajo wa makumi ine na tatu, inasema. Je vais lire lentement. Nitasoma pole pole. 42. Nous cherchons à faire de nos faiblesses des excuses. Mara tunaletea kutetea udhaifu wetu. Tunatafutaka kuleta maelezo na kujitetea kwa udhaifu yenye tunakuwa nayo. Kuleta masababu. Ndio. Maelezo. Je continue. Nous voulons dire combien nous sommes grands, combien nous sommes importants. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles, point, 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 Dieu m'a donné ce sujet, c'est pour ôter cela de notre esprit. Uh-huh. Eti tunawaza ya kwamba kuna wakati tunataka kusema tuko hiki, eti nia inayo nisukuma mimi mjume Branham kuhubiri haya mahubiri. Ni kusema lile vitu vyenye tunajitiaka mkichwa, tubitoshe mkichwa. Il continue, il dit ceci. Il y a des petites choses que nous faisons. Kuna mambo madogo tunayofanya. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Na ndio sababu tunakuja kanisani. C'est pour découvrir là où nous avons des défauts. Tunakuja kanisani ili tutambue kwenye tuna udhaifu. Et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Na tupate kile kiwezacho kutufanya tuwe bora zaidi. Si nous venons à l'église avec un autre objectif. Tukija kanisani na shaba ingine. Un objectif autre que celui-là. Shaba ingine kuliko hile ambayo tumesema. Je crains que nous ne recevions pas grand-chose en venant à l'église. Ninaogopa kwamba tuje na tusipate kitu kikubwa kanisani. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses. Tunapaswa kuja kanisani na tutambue makosa yetu. Uzaifu wetu. Uzaifu wetu. Découvrir nos mauvais côtés. Tutambue pande zetu zaifu. Et combien, voir combien nous sommes petits. Na tujione namna gani sisi tu wadogo sana. Et placer notre confiance en quelqu'un qui est fort. Na tuweke sasa tumaini letu ndani ya yule aliye na nguvu nyingi. Alléluia. Amen. Je vais donner une autre citation. Nitapana mtajo mwingine. C'est dans l'église, dans la brochure, l'église et sa condition. Ni katika mafundisho yanayoitwa kanisa na hali yake. 5 août 56. Tarehe 5 Agosti 1956. Paragraphe 21. Mtajo wake wa 21. Je vais lire. Nitasoma. Ce matin, asubuhi, je désire vous parler en parabole. Nahitaji kuwaongelea katika mifano. De telle sorte que même la personne la plus irreligieuse se trouvera ici, se trouvera ici. Kiwango hata yule ambaye siwa wa dini atakayepatikana hapa. Soit capable de comprendre. Afikie kuelewa. Nous venons à l'église. Hein, tunakuja kanisani. Pour nous améliorer. Ili tubadilike, tujisahihishe. Nous venons pour faire de nous-mêmes des meilleures personnes. Tunakuja ili tufanyike kuwa watu wazuri sana. Des meilleurs chrétiens. Tuwe wa Kristo bora zaidi. Des meilleurs citoyens. Tuwe wananchi wazalendo wema. Des meilleurs pères. Tuwe wa baba wema. Des meilleures mères. Tuwe wa mama wema. Des meilleurs voisins. Tuwe majirani wema. Amen. Alléluia. Amina. Tunakuja kanisani ili tufanywe wazuri. Zaidi. Tuwe wa baba wazuri. Ndiyo, ndiyo. Tuwe wa mama wazuri. Ndiyo. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tufanywe wazuri kuliko vile tunakuja. Alléluia. Na tukiwa sasa na hizi madefo makosa si makosa. Kama ndi tabia mbaya. Kama ndi defo, kama ndi makosa se fote. Défaut, tabia mbaya. Ok. Tukija na tabia mbaya. Quand nous venons avec des défauts. Tunakuja ili zitoke. Nous venons en fait que ces défauts soient enlevés. Tufanye wema. Que nous soyons bons. Alléluia. Amen. Comment puis-je vaincre? Katika mafundisho anayosema naweza shinda namna gani? 25 août 63. Tarehe 25 Agosti 1963. Paragraphe 35. Mtajo wa 35. Ceci au milieu. Ceci est le trône de Dieu. Sorry. Ceci est le trône de Dieu.
Hiki ni kiti cha enzi cha Mungu. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Na hukumu inaanzia nyumbani mwa Mungu. Et c'est ici où nous venons nous rassembler. Na ni hapa tunakuja kusanyikia. Nous rassembler dans l'amour les uns envers les autres. Tusanyike katika upendo wa moja kwa wengine. Comme seul le chrétien peut s'aimer. Sawa vile wa Kristo wawezavyo pendana. Mais ici, lakini hapa, nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Tuko chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est parmi nous. Roho Mtakatifu yu miongoni mwetu. Et nous sommes ici, na tuko hapa, pour nous examiner, ili tujichunguze, nous examiner, tujichunguze, afin de voir là où nous avons des imperfections. Ili kwamba tufikie kutambua kwenye tunakuwa na kutokamilika. Nous examiner, tujichunguze, voir là où nous avons des imperfections. Tuone kwenye ha tuja kamilika. Virgile. Mm-hmm. Des défauts. Kwenye tunazo tabia mbaya. Et comment nous pouvons nous rattraper? Na namna gani sasa tunaweza kujipata? À partir de là. Tangia pale. Où nous sommes jusque là où nous devrions être maintenant. Kwenye tuko hadi kwenye tulipaswa kuwa sasa. Et là où nous sommes. Na kwenye tuko. Jusque là où nous devrions être. Hadi kwenye tulipaswa tuwe. Et c'est ce que nous étudions. Na ni hiyo tunayojifunza. Les prédicateurs au pluriel étudient ces choses. Wanajifunza mambo hayo. Pour leurs fidèles. Kwa ajili ya waumini wao. Lorsqu'ils voient les gens, wakati wa waonapo watu, leurs imperfections, kutokamilika yao, ils commencent donc à partir de cela. Wana tayarisha maneno mahubiri kuanzia yale. Frère Branham dit ceci. Branham anasema kwa nous venons à l'église, tunakuja kanisani, pour nous examiner, ili tujichunguze, voir là où ça ne va pas, tuone kwenye mambo ya nos défauts. Ma, tabia nos imperfections kutokamilika yetu, nous rattraper tujipate, pour être meilleur. Ili tuwe wazuri zaidi. Et les prédicateurs, sasa na wahubiri nao, leur rôle c'est d'étudier là où se trouvent les faiblesses, kazi yao ni kujifunza kwenye udhaifu huko, et prêcher pour que les gens s'améliorent. Wahubiri ili watu wabadilike. Alléluia. Amen. 11. Kuminamoja. La tétutesse kiburi. La tétutesse kiburi. La tétutesse kiburi chandani. Et ça va toucher un roi, Ozias. Iyo ika gusa kumfalme Ozias. Il sera lepreux jusqu'à sa mort. Akawa mkoma hadi kifo chake. Tétu. Kiburi chandani. De chronique 26, c'est là on a lu. Katika mambo ya pili ya siku pale. La Bible dit que le roi Ozias venait d'être très fort. Biblia inasema kwamba mfalme Ozias alikuwa amekuwa mwenye nguvu sana. Il était déjà béni. Alikuwa amebarikiwa. Par la puissance. Katika utawala yake. Son cœur s'éleva. Moyo wake ukainuka. Il dit, akasema, je suis roi. Mimi ni mfalme. Mais je peux monter là-bas aussi. Naweza hapanda hapo kwenye mazabahu. Je peux aller sacrifier quand même. Naweza fukiza uvumba hata hivyo. Qu'est-ce que ces gens font que moi je ne peux pas faire? Wale makuhani wanafanya nini yenye mimi siwezi kufanya? La tétutesse. Kiburi cha ndani. Il dit, je vais le faire aujourd'hui. Kasema na mie, leo mara hiyo na mimi nitabifanya. Azaria et les autres, est-ce que vous pouvez me permettre de faire le ministère aujourd'hui? Enyi makuhani mliobaki hapa mnaweza niruhusu leo nifukize uvumba? Azaria va lui dire non. Wakuhani wakamwambia hapana, sio kazi yako. C'est pas ta tâche. Hiyo si jukumu lako. Dis moi je vais le faire. Mfalme Ozia akasema mimi nitavifanya. Il va monter. Akapanda juu. Li sacrifie. Akafukiza uvumba. Sacrifie. Akafukiza uvumba. Azaria lui dit non. Makuhani wakamwambia mfalme hapana. Il est porté par 80 serviteurs. Sorry. Batumishi makumi munane bakamuonya. Aha. 80. Makumi nane. Pasa roi. Mfalme usifanya hivyo. Continue. Yeye akaendelea tu. Devenu coléreux. La colère contre eux.
akawakasirikia. Quand il a été coléreux comme ça, alipokasirika hivyo, la lèpre est venue, ukoma ukamfikia, les saisit. Ukamshika. On l'a pris rapidement. Wakamkamata haraka. On ne l'a pas amené dans la maison du roi. Hawakumpeleka munyumba ya kifalme. On l'a traîné dans une petite maisonnette en dehors de la ville. Wakamubululia mukamusonge kadogo mbali ya muji. Comme on peut amener là en dessous du volcan là. Kama vile wanaweza kubeba kule muja chini ya volcano. Muja hakuna ta nyumba. Rusayu kule. Imaginez-vous. Mujiulize. Vous étiez dans la maison du roi. Ulikuwa munyumba ya kifalme. Président de la République. Mutawala wa nchi. Pour aller vivre dans une bicoque seule en dehors de la capitale. Uende uishi mukamusonge wewe peke mbali ya mji mkuu. Ta femme ne vient pas parce que tu es le pro. Bibi yako hata kukaribia sababu umekuwa. Aucun enfant, aucun ministre, aucun policier, aucun militaire. Hata askari yote. Et le même jour on va dire Jotam, tu deviens roi. Ile ile siku wakaambia Yotam unageuka mfalme. On introduise un nouveau roi pendant que l'ancien vivant mais dans une bicoque. Wakamfanya awe mfalme wakati yule aliyemiliki enzi. Imaginez-vous l'avenir d'un roi qui est broyé dans quelques secondes. Sasa mujiulize maisha ya yule mfalme ambaye amepondwa muda kidogo. Weye njoo akubakia mukanyumba. Yo mukamusonge uwepeke. Mwenye analeta chakula anasema unalamka pale. Sukuma. Anatupia pale. Uh-huh. Asante. Yo. Merci. À santé. Tu prends. Una kamata. C'est lui qui amène le bidon d'eau. Il le met sur un arbre. Il pousse le bidon dans ta bicoque parce qu'il ne doit pas te toucher. Anasukumia kale kajerikani musonge yako sababu hataki kukugusa. Eh, mai ile. Il te dit voilà le. De mzuri. Bonne journée. Un roi. Mufalme mzima. Quel avenir fauché. Siku nzuri gani ambazo ziliharibika? La tétutesse. Kiburi cha ndani. Le refus de l'exhortation. Kukatala maonyo. Quand tu as tort. Wakati umekosea. Combien de femmes têtues vous avez dans des foyers? Wanawake wangapi wa kiburi cha ndani? Combien d'hommes têtues? Waume wangapi wa kiburi? La femme ça non. Wakati bibi yako anakuambia bwanangu ili hapana. C'est toi le chef de cette maison. Wewe ndio mtawala wa mwenye nyumba. Qui est chef ici? Nani ndio mtawala hapa? Mke anasema basi. Bon, okay, allez-y chérie. Bon, bakiana utawala yako basi. Sina la kufanya. Je vais avancer rapidement. Tout à l'heure, Araka. Il y a un autre. 12, 13, 14. Les honneurs. Heshima. L'argent. Pesa. Et demander la volonté permissive. Parce qu'il y a un champion pour ces trois. Kuna wahanga kwa haya mambo matatu. Tafuta maheshima. Tafuta pesa. Habari ya frank. Kupenda ruhusa. Na kutafuta mapenzi yaliyoruhusiwa. La volonté permissive, c'est-à-dire quoi? Mapenzi yaliyoruhusiwa maana yake ni. Tu connais une chose. Unajua jambo. Mais tu essaies de demander conseil pour trouver celui qui va te dire de faire ce que tu veux, connaissant que ce mal. Unajaribu kuuliza mashauri kwa vyenye unajua kusudi. Utafute jibu la kukutanisha na tamaa yako. Balaam. Balamu. Mort. Akafa. Tué par l'armée de Moïse. Aka kufa na ameuliwa na majeshi. Moïse va dire. Musa. Allez dans ce pays. Mwende mwele. Je vous donne deux recommandations. Nina wapa kazi mbili. Toute femme ou fille qui a connu un homme. Kila mwanaume au mwanamke alisharati.
sauf les vierges, tuez, mais lakini, revenez avec l'information que vous avez tué aussi Balaam les sorciers. Balaam mchawi. Il y a des gens qui ont un défaut de la recherche des honneurs. Kuna watu ambao wana tabia mbaya ya kupenda heshima. Les autres la recherche de l'argent. Wengine wanawinda pesa sana. Quelle que soit la voie, coûte que coûte, il faut toucher les dollars. Njia ambazo watapita ndani bali aguse pesa. Les autres, wengine, même quand ils savent qu'une chose est mauvaise, hata wajue kwamba jambo ni mbaya, ils demandent pour chercher celui qui va leur dire que ce n'est pas mauvais. Wanatafuta mashauri kusudi wapate wenye watawapa jibu ya kwamba si vibaya. Bon, sas, vous allez dire, mutasema, mistafutake maheshima. Comment muko munafanya kandoa? Vous faites le mariage. Vous commencez à vous faire asseoir là où ne vous a pas dit. Munaenda kuchagua kwenye hawakuambia. Est-ce que c'est parce que vous venez devant les messieurs, l'époux ou la reine, ni ou l'épouse, que vous devez vous asseoir derrière eux? Ni sababu tu mulikuya munasindikiza walunga, yabidi tu mwende mwikale tu nyuma yao. Hamunigana kina batu hapa, hapa. Uh-huh. Unaona mtu anamrudisha nyuma na kwazika, hapa, uh-huh. Hapa. Ndiyo. Bongo! Jeni wongo! Vous verrez les gens venir dans l'église le jour du mariage. Watu, ni siku ya arusi, ils sont derrière l'époux. Nyuma ya walunga. Ils vont forcer les protocoles pour les faire asseoir là où ils ne méritent même pas. Wata kaza wenye wanapanga watu kusudi tu wawaikalishe nyuma ya wale walisindikiza. Et quand on vous bloque, on dit, na wanapo kusimamisha wanasema, alors, tout le monde est là-bas. Wengine wote wakae fasi. Tout le monde est là-bas. Wengine wote pale. Okay. Mutu anakokota kinywa. Mais c'est toi qui sais où tu vas t'asseoir ou bien c'est le protocole? Je ni unayejua kwenye unastahili kuikala au ni wa les honneurs. Watu wanapendaka maheshima. Hmm? Vous devez vous humilier. Laissez les gens vous élever, mais ne commencez pas à vous élever parce que vous risquez de vous élever au-delà de l'élévation et on vous abaisse. Mwache watu wa inue, ninyi msijinue sababu unaweza kujinua na wanakunyenyekeza. Et quand on vous élève, rabaissez-vous. Na wakati wanapokuinua wewe jinyenyekeze. Soyez humble. Mwe wanyenyekevu. Soyez abordable. Wenye wanaweza karibiwa. Baraki a dit à Balaam, on te donnera trop de honneur. Baraki akaambia Balaam, tutakupa heshima nyingi. Moi j'étais à l'université et notre professeur, il était docteur en droit international, je ne sais pas quel autre domaine, il nous disait, je suis prêt d'être président de la République un jour, mais on me tue ce soir. Mchungaji anaeleza kwamba alikuwa na mwalimu huko kwenye university. Aliyekuwa anapenda heshima sana akasema kwamba mimi nimesoma mingi lakini haja yangu ni kwamba hata naweza penda niwe wanitangaze kuwa rais siku moja na baadaye nife nitatosheka. Na niwe ile magharibi. Qu'est-ce qu'il nous disait? Alikuwa akisema nini? La fanfare là. Wale wapiga muziki wakiwa hapo. Les policiers. Wakati wa polisi wako hapo. Les militaires. Majeshi. Les honneurs. Quand je vois comment on le fait, autant mieux devenir président de la République un jour et mourir le soir, mais ayant vu ça dans ma vie. Ni heri kwangu nifanyike raisi hiyo siku moja na nife hiyo itatosha kwangu. Mbona korogania makuta mulikirimba vilianza ye? Okay. Aiko franga. Mm. Eh? Eh? Munakufia madoshe za malikirimba. Juu ya nini? Jina ya kwanza tu inakuwa ya tatu, ya ine inakuwa ya mnane,
parce que président alikula majina zote za kwanza na kutupa kuya 48 mambo inanza. Oli badilisha majina ye. Comment toi tu as changé le nom de votre ristourne? Le 8 tu l'as mis à 14, pourquoi? Est-ce qu'il t'a dit moi je vais être 14? Mais tu es frère, tu es soeur? Si vous conduisez na uko dada. Tu veux pousser pour que t'on donne un nom. Toi-même, tu sais, tu étais 12. Tu viens presser les gens pour te mettre à 3. Pourquoi? Ouais, on a dit à namba yako ya siku ya kupokea. Sasa unapenda utangulie juu ya nini? Et tu n'as même pas un grand dossier. Na hauna huenda tatizo kubwa. Kwa nini? Quelqu'un te fait garder l'argent, il vient demander, c'est déjà mangé. Muta na kuwekesha pesa kwa muda mliopatana. Anapozikuomba una tafuna lulimi. Kwa nini? Il y en a pas. Il t'a fait garder, il ne t'a pas donné. Alikuwekesha bandugu, hakukupatia. Unazikosa namna gani, zilienda wapi? Nous devons toucher les substances. Tunapaswa kugusia mambo yenyewe. Pas des choses théoriques. Si mambo ya maneno tu. Tu es comptable. Wewe ni mweka hazina. Tu tripotes les livres. Una koroga kitabu. Tu tripotes les chiffres. Una koroga hesabu. Tellement que le coordinateur te fait confiance, tu fais dépasser $3,000 parti. Et tu fais un bon rapport, mais 3000 c'est parti. Hivi mkuu wa kazi anakutumainia, unakoroga tu kidogo, unaiba $3,000 na mambo yanapitika tu hivyo. On envoie les gens sur terrain, tu les rencontres sur terrain. Zangu, 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 zangu. Ala, au bureau, on ne sait pas que tu as suivi les gens sur terrain. Kwenye ofisi hawajui kwamba ulifuata wenye walitumwa kwenye kazi. Ils sont déjà sur terrain, tu es déjà sur terrain. Wamefika kwenye kazi, wewe ulisha watangulia. Zangu. Zang. Mapar, zang. Mapar. Zang. C'est moi, moi, zang. Mapar. Quelqu'un touche son salaire, il te donne la moitié. Et au bureau, on ne sait pas que tu as pris la moitié. Mutu anapokea mshahara wake. Wewe sababu uko mkubwa ulisha muomba nusu ya mshahara wake. Na ofisi haina hiyo habari. Ce n'est même pas pour des raisons connues par les bureaux, parce qu'il faut financer soit les bureaux, la location ou bien quelque chose. Toi, tu le fais à l'insu de tout le monde. Na si kwamba ni habari inayojulikana kwa sheria za kazi, unazifanya kwa faida yako mwenyewe. Et tu dis, si tu le dis, je vais te faire chasser. Na unaambia ule mfanya kazi, na ukipana habari, nitakufukuzisha kukazi. Alors vous allez voir les gens très torturés dans le travail. Ipo utaona watu wanatesekea mukazi. On ne dira pas sinon on va nous chasser ici. Nikabisema tu na watanifukuza. On ne dira pas sinon on va nous chasser ici. Nikisema tu watanifukuza. Et les gens vont vous dire. Na watu watakwambia. Tel. Fulani. Travailleur. Ni mtumishi. Tel. Anatumika. Intelligent. Ni wakil. Tel. Ponctuel. Lakini, ne lui faites pas garder l'argent. Usimwekeshe pesa. Laissez-lui tripoter les livres, mais pas l'argent en cash. Mumwache abakiane na bitabu, usimwekeshe franga. Frère. Na ni ndugu. Croyant. Mwamini. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tunaelewana. Hein? Tu viens, tu pleures. Tu pleures. Unakuya, unalia. Si tu ne fais $300 ce soir, ukinipa tu dola mia tatu mwe. Demain à 14h, je t'amène ça, frère. Kesho mangaribi ndugu yangu, takurudishia. Il te donne. Hivi ni ndugu anakuaminia anakupa 7 mois. Inageuka miezi 3 inageuka miezi 7. Elle va vous dire. Na watu watakwambia. Eh hey, mon frère. Ni ndugu mzuri. Mais ne lui donnez pas la dette. Mais usimkopeshe. Son défaut. Tabia mbaya yake. Il ne paye pas. Halipake. Il est bon. Ni mwema. Mais il ne paye jamais. Lakini kuhusu kulipa hatpake. Na roho yake aishitukake mudalili za kunyakuliwa kuhusu madeni. Ndiyo. Munahubiri juu ya dalili za kunyakuliwa. Yesu anakuya muregle madeni. Memutu iko bien. Hatingizike. Hashituke. Akipata franga nafanya vyake.
Ndio wa madeni habajulikati. Hawa kome mena kuprogramme. Yo. Eva on va dire il est bon mais l'argent. Utasikia banasema anakuwaka ndugu mzuri. Me kuhusu pesa. Iko mugumu frère. Ni mugumu kupesa. Mnatani mkia mulikirimba mutalia hapa mutakisambaza hapa. Mm. Ile kirimba yeye mnatia mfulani. Muji amutamaliza si mwa. Muji tayarishe. Kumasambo. Defo. Tabia mbaya. Ndio maana mko mnakula na dime kimya. Mtu anaiba Mungu kimya. Habari ya chakumya. Il y trouve ne sait même pas que Dieu lui a donné. Elle dîme, elle est offrande, et son argent. Hata kumbuka kwamba ni Mungu alimupa. Nazake, naza Mungu zote na meza. Lui mange les dîmes. Yeye anakula chakumi. Les offrandes. Sadaka. Son argent. Zilizo zake. Et l'argent des autres. Na pesa za wengine ana meza. Est-ce que vous comprenez ce mangeur là? Muka munaelewa. Ule mkulai. Les dîmes, les offrandes, son argent et l'argent des autres. Anakula chakumi, sadaka. Zake naza wengine anameza. Mungu ni malize. Laissez-moi terminer. Mais cette horloge ne fonctionne pas. Inaonekana saa hii haitumiki vizuri. Oui. Ni saa mbili na nusu nakusaha zenu. Cette horloge m'a trompé. Aya. Saa hii imeni koroga. Ici il est 8h30. Hapa inaonyesha kuwa ni saa mbili unusu. Bon, heureusement, je suis vers la fin. Kizuri ni kwamba nakaribia mwisho. Bon. Sasa. Est-ce qu'on est ensemble? Je, wapendwa tuko pamoja? Même si ça va vous blesser, vous devez être guéri. Hata kama itawakwaza, lazima mupone. Christ vient. Kristo yuko anakuja. Vous devez vous laver de tous vos défauts. Munapaswa oshwa kwa makosa kwa tabia zenu mbaya. Convoiter vouloir retourner en arrière. Kutamania kurudia nyuma. Vous avez la mama Lot. Mukumbuke mke wa Loti. Et vous avez le peuple d'Israël. Kumbukeni taifa la Israeli. Vous savez? Mnajua? Genèse 19, 26 et Luc 17, 12. Mwanzo 19. Il y a des gens. Kuna watu. Qui ont ces défauts. Wanayo hizo tabia mbaya. Chaque fois qu'il a un problème. Kila mara anapokuwa katika shida. Il se souvient de ce qu'il était. Anakumbukaka maisha yake ya zamani. Je suis content que dans cette semaine on vous a prêché. Ninafurahia kuwa katika juma hili mulihubiriwa. Pourquoi Dieu permet que nous ayons des tentations, des problèmes et des souffrances? Kwa nini Mungu anaruhusu kwamba tufikie kupata majaribu na mateso mbalimbali. J'ai suivi ces deux prédications une après l'autre. Kupata yale mahubiri moja kwa moja. Dieu le permet, on vous a dit. Mungu anaruhusu mliambiwa hiyo. Kuko watu. Qui a des gens. Kuko watu. Il y a des gens. Bako na ile défaut. Ils sont ces défauts. S'il est devant un problème. Akiwa mbele ya tatizo. Sa mémoire rentre directement dans son passé. Akili yake inamtumaka maisha yake ya zamani. Nous nous souvenons des légumes. Tunakumbuka zile mboga. Des poissons. Samaki. Des oignons. Matungu. Nous voulons l'Égypte. Tunatamania Misri. Mama Lot qui dit. Mke wa Lot akasema. Je vais voir ce qui se passe derrière. Ngoja nione vyenye viko nyuma yangu. Haiko leo saa unakorogana na bwana yako njoo utaanza kumbuka ule garçon mwenye alikufianza kazamani. Vilishakaisha, ulishakuwa mama fulani, ulishazala, ulishafika. Please unamuwaza, please utakauka usiku. Ndiyo. Na utakutaniwa ulishakorogeka. Amen. Amen. Laisse-moi expliquer. Muniruhusu niwafasirie. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un problème avec ton époux que tu vas commencer à te remémorer tous les garçons qui voulaient te marier. Haiko sababu uko na shida na bwana wako ndio utakumbuka. Tu vas arriver à les convoiter alors que vous ne pouvez le rien faire avec eux. Unawatamania ingalao hakuna chenye unaweza fanya tena nao. C'est pas parce que la sœur te trouble aujourd'hui que tu vas commencer à dire je voulais marier telle, je voulais marier telle, je voulais marier telle, mais ça n'a pas réussi. Maintenant voilà les kahanga ici qui me troublent. Ces filles-là sont devenues les femmes d'autrui. Tu ne peux plus y penser. La page a été tournée.
tu n'as qu'à régler ton dossier avec ta femme. Ne cherche pas dans ton agenda pour voir les noms de ces gens. Uh-huh. Et chercher leurs anciennes photos. Vraiment. Tu mourras. Ou t'as koufa. Dans la route, comme la maman Loti. Mungi a kumbuka mke wa Loti. Waloti. Oh, unaona. Ninge waka fulani kama siko hivi. Bilisha kaisha. C'est déjà passé. Asha kuwa bibi ya batu. Ule bwana isha kuwa bwana wa batu. Page isha kuwa tourne. Uh-huh. Ukurasa ulisha kakutua. Combien de foyers sont détruits à cause de ces défauts-là? Bunyumba ngapi na bomokaka sababu ya hiyo tabia mbaya. Unanzengia sasa mwalbum. Uh-huh. Unangilia mafoto. Nye batote benye namuna na akili. Vous les enfants, mutu iko na kulea, anakushughulikia. Jumu napata ka probleme kadogo ilifu kumbuke kwenu. Baba yako akukufalia kitu, mama yako akukufalia kitu, mtu anakulea senka miaka 5, ndio unaanza kumbuka babako na mamako. Vraiment. Deni hala kufalia ta kitu. Ndio ndio. Mtu anaoa mama yako, babako alishaka kufa, anakulea na kukomalisha, anakupiga fimbo sema mimi nakumbuka baba yangu. Alishaka kufa, alishaka oza. Baba yako unamtafuta kwani ni mwenye iko msanduku. Unataka kufa mfuate. Amen, amen. Est-ce que ces gens écoutent au moins? Dieu, muko munasikia. Quelqu'un t'élève. Mutu anakulea. Tu n'as plus de père. Hauna baba. Ou tu n'as plus de mère. Hauna mama haikete. Mais Dieu t'a donné les éleveurs, les gens pour t'élever. Mungu akakupatia batu bakukulea. Au moindre pépin. Kwa tatizo kidogo. Peut-être tout simplement parce qu'on veut te régler sur la voie. Kwa sababu tu amekupiga fimbo juu akurudishe kujia. Tu commences à dire je me souviens de mon père. Unaanza sema mimi nakumbuka baba yangu. Je me souviens de ma mère. Nakumbuka mama yangu. Elle n'est pas là. Mama yako haiko. Elle est partie. Alishaka. Même si tu l'appelais, elle ne te donnera rien. Hata kama utamuita, hata kufalia kitu. Ton père n'est plus là. Baba yako angaliki. Contente-toi de celui-là. Furahia mwenye uko naye. Contente-toi de celui-là. Furahia ule mama na. Sois reconnaissant que c'est elle ou celui qui t'élève. Shukuru na welewa kwamba yeye ndiye anakulea. Vouloir regarder derrière ou bien retourner en Égypte, tu mourras païen. Utamania kuanguka na kurudia nyuma, utakufa. Oh, unaona basi. Mie tu njoo nilijigusaka kuitika huyu. Ningeitikaka fulani. Peut-être ule fulani angekufikisha kata mu message. Ndio ndio. Uyu mwenye uko natamania, peut-être mimi na mjumbe hange kufikishaka. Ndiyo, ndiyo. C'est comme ça que tous les gens païens ont dans leur tête leurs anciens amants, leurs anciens amis, leurs anciens amoureux. Ils les gardent comme des idoles. Wana waona kama vile miungu. Banabakia mukichwa na bale ba ex yabo mukichwa. Sawa miungu. Na banakuaribishia bunyumba lor ki hakuna chenye mutafanya nao. Ndiyo, ndiyo. Defaut. Tabia mbaya. Mtu kimkoroga kadogo anaanza kumbuka bibi yake. Anaanza kumbuka bazazi yake. Ndio. Anaanza kumbuka wale wenye alitafuta kaona nabo bakaachana. Na ile juma mtashinda mbaya. Yo. Anaingia mwalbumu anaanza batafuta. Kamata zile mafoto kizianguka kwako. Lunguza. Ndio. Haiko zambi. Na watu wote walibomola miungu. Ndio. Bajedeo waliangusha miungu za baba yabo. Ndio ndio. Chomola zile mafoto tupia mumoto na kiziuliza useme tafuta mzuri. Amen. Kama nani mwanaume azipate. Amen. Usiseme sikuzigusa kumwambie endelea tafuta. Ehe. Kuko watu wako na malbumu zenye zina represente vitu mingi. Ndiyo ndiyo. Anakuambia hii foto usigusake. Kuko mwenye mwenye balikuwa kama na sharati naye. Oh. Hii foto usigusake yako ni ya muyomba. Kume ni mwenye 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 balikuwa kama na lalaka naye. Ya 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 ya. Amen. Lumuza uchafu. Tosha kumbukumbu za maovu katika nyumba ya Mungu. Amina. Vous gardez les photos de vos amants, vos anciens amoureux, vos anciens ABCD, vos ex. Uh-huh. Et vous les regardez, femmes, prenez ces photos, brûlez secrètement. Alléluia. Messieurs, prenez ces photos, brûlez. Quand quelqu'un ne sait pas te justifier, c'est qui? S'il trouve que c'était mensonge, brûlez et puis tu t'étais. Amen. Où est allée la photo? Continue à chercher, chérie. Mm.
Ok. Alléluia. Amen. L'insouciance. Kuto djali. L'insouciance. Kuto djali. 17. Kumina saba. Je vais faire vraiment très rapidement. Itajitahidi kuharikisha. L'adultère. Uzinifu au sharati. 18. Tripoter les saintes, les choses saintes. Waribu vitu vitakatifu. Je vais les éliminer immédiatement parce que je dois gagner le temps. Je suis vraiment au bout. Lazima nikombo wakati na mina karibia mwisho. 19. Kumina kenda. La colère. Hasira. Et 20. Na ya makumi mbili. Persécuter ou bien maltraiter les enfants de Dieu. Kutesa na kusumbua watoto wa Mungu. Voilà. Et puis on va conclure. Qui est le champion de l'insouciance? Nani muhanga mukutohangaika, kutojali. Les beaux-fils de Lot. Bakwe ya Loti. Les beaux-fils de Lot. Bakwe ya Loti. Genèse 19:14. Mwanzo 19. Mes enfants, demain on va brûler. Batoto yangu mutoke kesho mutu. Il y a des gens qui sont créés qui ne tiennent compte jamais de l'avertissement de Dieu. Kuna watu ambao waliumbiwa muhali yenye hawawezi sikia tahadhari ya Mungu. Dada, Mungu alituonyesha kama utapata probleme fulani. Ah, ile ni makarama ya mule mwele betele mwenu. Mara ngapi zinasemaka he? Munasikia pa. Benye batendele afanya hiki batakutana na hii probleme. Munasahau ma intimidation za batumishi. Munakuja kusikia. Oh, amepatwa na shida. Attention. Angalisho. Mungu akasimama hapa. Ndi. Akatuambi. Bagarso wenye natafuta bangi. Na kukunya pombe. Bichwa bitaruka. Aha. Apa, apa, apa. Ici à la chair. Garso wenye natafuta bangi. Banavuta tumbaku ya bangi. Banakunya pombe. Mungu ametuambia. Batakuwa bazimu. Ndiyo. Avertissement, avertissement. Weye. Na kutojali yako. Aha. Yes, Dieu nous avait dit ici. Mungu alikuwa ametuambia hapa. Faites attention, chanvre boisson risque de créer chez certaines personnes négligentes des troubles mentaux. Bangi na pombe zitafikia kuharibisha vitu vya watu. C'était ici que Dieu avait envoyé ce message. Il est ujumbe litangaziwa hapa. Et vous vous dites, je veux fumer, je veux boire, ça ne me fera rien. Wewe unasema nitafuta na nitakunywa na havita nifanya kitu. Dieu dit, Mungu akasema, les filles qui vont connaître des garçons, soit c'est la maladie, soit c'est la grossesse. Wabinti watakao sharati, watapatwa na magonjwa au watabeba mimba, ilikuwa ni hapa. On en a excommunié combien? Tulisha tenga wangapi? Les femmes qui vont commencer à consommer des médications, des planning familial, sans prescription, sans orientation, sans quoi, auront des troubles, des problèmes, des maladies internes. Wa mama ambao watakunya madawa ya kuwazuia wasizale bila ruhusa wa umezao watapatwa na bila ruhusa yoyote inaonekana kama ilikuwa bifanyiziwa. Aha, watapatwa na magonjwa za tumboni. Tumboni ilikuwa ni hapa ilitangazwa. C'était ici. Ilikuwa ni hapa. Et Dieu le disait avant qu'il n'y ait rien. Na Mungu alisema mbele kwa lolote. Est-ce que c'est pas ici? Je, havikukua hapa? Vos têtes sont créées comment? Vichwa vyenu viliumbiwa namna gani? Il y a des gens, kuna watu, ils sont tellement insouciants, ambao quand vous leur amenez l'avertissement de la part de Dieu, ça ne leur dit rien. Hata waletee tahadhari kutoka kwa Mungu haiwashituli. Alors, ndipo sasa, les beaux-fils de Lot ont dit papa, bakwe ya Lot bakamwambia baba, nous demain on ira dans nos programmes. Sisi kesho tutaenda mshughuli zetu. Est-ce qu'ils ont fait ces programmes là? Je, walifikia kufanya mipango yao?
Sodome et Gomorrah les a consumés. Moto wa Sodome na Gomora uliwaunguzaka wote. Sœur, dada yangu, Dieu nous a montré que Mungu alituonyesha kwamba faites attention avec telle chose. Fanya angalisho na jambo fulani. Bon, je comprends frère, on va voir. Nimeelewa ndugu, bo sawa, nimesikia. Tutaona. Tutaona. Vous prenez l'adultère. Unaenda una sharati. Si vous prenez dans la Bible, mukiona mu Biblia, Hophni et Phinéas. Hophni na Phinéasi, les enfants du prophète Élie. Watoto wa nabii Eli, devenus des sacrificateurs comme leur père. Wakafikia kuwa makuhani sawa baba yao. Des enfants devenus des ministres parce que leur père est ministre mais même non pas de spirituel. Watoto wakageuka kuwa watumishi sawa baba yao, lakini hivi wao hawako wa kiroho sawa baba yao. Ministère familial mais sans spirituel. Huduma kutoka mujamaa lakini na hawana roho mtakatifu. Alors Hophni, sasa Hophni et Phinéas, na Phinéasi, vous venez adorer. Munakuja kwa vous êtes une belle femme. Sorry. Vous êtes une belle femme. Uko mwanamke mrembo. Vous n'entrez pas dans l'église avant qu'il ne vous connaisse. Haumuta ingia mukanisa na hoya lala na wewe. Ndio. Lala la porte. Ils avaient créé une tente derrière l'église. Alikuwa kabalishajenga hema pembeni ya hekalu. Ghetto. Ghetto. Hema. Sœur, venez, j'ai quelques communications à te faire. Bata unapofika kumlango wanakwambia dada, huyu hapa pembeni niko na habari ya kukupasha. Akangi porte. Anakukobeka mule mtumishi mzima. Ehe. Mtumishi mais défaut. Hawezi ona mwanamke. Donc mtumishi me akiona mwanamke migulu yote inatetemeka. Kama haya kufika hako basi haya tulia. Hana amani. Eti yaliyo wafikia wengine soma kwetu. Ndio ndio. Ghetto. Nje ya kanisa. Wanawake wanakuwa bana defile mule. Kama ni bibi yako unaweza sema iko naongea na mtumishi, unaweza bako wanaongea maneno ya Mungu kumbe iko na mudrage. Yo. Mbona ulikawa na mtumishi aseme bwana alikuwa ananipa mashauri? Yo. Comment tu as retardé avec les serviteurs? Non, il m'a donné des conseils. Kumbe kulisha pitwa zamani. Zamani. Hophni et Phinéas. Hophni na Phinéas. 1 Samuel 2:21. Samuel wa kwanza mbili. L'adultère. Usharati. Na uzinifu. Na uzinifu. Amen. Ule dada ni wabie matama. Zinamuyala. Hey wana. Mumuone mzuri. Aneza baka na mwanaume. Cette soeur est spirituelle, mais elle a trop de convoitises. Vous les frères, ne l'approchez pas n'importe comment. Ule ndugu ni wakiro, lakini kwenye kuhusu ngono, usimukaribie. Ce frère, ule ndugu, il peut vous prêcher, il peut vous donner kuhubiri, tout. Mais soeur, ne soyez pas à ce côté pendant 10 minutes. Lakini dada zangu, usimukaribie kwa muda wa dakika 10. C'est ça son défaut. Njo tabia mbaya yake. Dieu a dit, Mungu alisema, vous êtes jeune. Ukiwa kijana. Eli, il est vieux. Eli alikuwa mzee. Vous ne vieillirez pas. Hamtazeeka. Des enfants qui avaient la grâce d'être serviteurs. Watoto wenyewe wangalikuwa watumishi wa Mungu. Sacrificateurs. Makuhani. Dans un ministère de leur père. Muhuduma ya baba yao. Ili devait vieillir être ministre. Wangalizeeka na ni watumishi. Mais. Lakini. Le sexe. Ngono. Ngono. Dieu va les faucher dans les milieux. Mungu akaua siku zao za usoni. Ils sont morts. Wakakufa. On amène leur père, Hophni et Phinéas, ils sont morts aussi. Et l'âge a été pris, leur père aussi très géant qui ne regardait plus. Wanamuletea habari ya kwamba watoto wake wawili Hophni na Phinéas wameuawa. Hivi naye alikuwa na munene na amezeeka naye akakufia mkiti. Papa mort,
les deux enfants morts, on n'a plus de serviteurs. Baba nakufa, watoto, wawili wako nakufa, wakatoa watumishi wengine. Wale chercher d'autres sacrificateurs. Wakasema, tutatafuta makuhani wengine. Il a fauché l'avenir. Mungu akaua siku zao za usoni. Il a tout détruit. Akaharibu yote. Tout détruit. Vyote vikaharibika. Ce Seigneur ici. Uyu Mungu. Hey. Fanya hange. Usicheze naye. Des défauts qui ont détruit l'avenir des gens. Tabia mbaya zilizoharibu siku zao za usoni. Tripoter les choses de Nebga Belshazzar. Kuharibu vitu vitakatifu, mkumbuke mfalme Nebukadnezar. Belshazzar. Belshazzar. Faites attention. Fanyeni hange. Belshazzar. Huyu Belshazzar. Il boit. Analewa. Il mange. Anakula. Il danse avec ses femmes. Anacheza na banamuke yake. Daniel 5. Ni mu Daniel sura 5. Et puis il dit. Kisha kasema. Amenez coupe de la maison de Dieu. Mulete na bikombe vya mwekao ya Mungu. Il veut saboter les choses saintes. Akapenda azarau vitu vitakatifu, vyombo vitakatifu. Amenez je vais boire dedans. Mulete vile bikombe ni kunyia mopombe. Njoo wale watu. Leo ni meza. Aujourd'hui c'est la Sainte Cène. Nous allons boire, nous allons manger et on a fait des péchés, on ne nous fera rien. Je suis dans cette église pendant 8 mois. Les dons ne m'ont jamais attrapé. Tu crois que même si j'allais à la Sainte Cène avec ces péchés, on m'attrapera rien. Nzambe akozuayo. Mungu pakala ma vie. Ndio. Meza bwana inafika, unakuja kumeza, unakula, unakunywa na wewe unapia tripote vitu vitakatifu. Na unasema karama hazita ninasa, batumisha bata ninasa, tutakula, tutakunywa na hatutakufa kitu. Miezi mnane niko mule, ushakasikia na karama ina ninasa? Mungu siku moya. Hata naweza kutokunasa meba pagani bana kunasa. Ndio. Tunaweza kuwa tuye vyako mebita jibomola avyo peke. Arachezake na vitu vitakatifu. On ne joue jamais avec les choses saintes. Surtout que tu n'es à la sainte scène avec des péchés. Zaidi sana kwenda kumeze abwana na uko na mazambi. La main venue la écrit mene mene pereste tekel il farsin tout ça. Mukono ulionekanaka kukibambazi unazika mene mene tekel pereste il farsin. Ce même soir il est mort. Ile ile magharibi. Ule mfalme alikufa. Ce même soir. Ile ile magharibi. Il est parti. Aliendaka. Je vois la colère de Moïse. Naona hasira ya Musa. Et Dieu dit, tu n'entreras pas. Mungu akasema na wewe hautaingia. Tu vas voir. Utaona. Tu m'as servi, oui. Ndio ulinitumikia. Cette colère. Lakini ile hasira yako. Tu vas regarder. Utayangalia inchi. Kimura ici au désert. Utakufia hapa mujangwa hautaingia mule ndani. Eh monsieur qui a servi Dieu 80 ans. Bwana mwenye alitumikia Mungu miaka 18. Dieu tu vas voir mais tu ne traverses pas. Mungu akamwambia utaona inchi lakini hautaingia ndani. Pourtant c'est le peuple qui l'avait révolté. Ingalao ni taifa lilimfikisha kuwa na hiyo hasira. Utafanya dhambi juu bwana anazikufanyizisha na Mungu anakukoroga alors que ni bwana ndio alikusukuma mu makosa. Amen. Le mari va t'amener à pécher, Dieu ne te pardonnera. Il va te frapper alors que c'est le mari qui t'a créé dans la... qui a réveillé ta colère. Oui, oui. Dernier élément. Jambo la mwisho. Il veut tripoter, il veut persécuter les enfants de Dieu, c'est Hérode. Il va mourir. Tesa na kusumbua watoto wa Mungu. Kumbuke Herode na namna alivyokufa. Herode. Usisikiake furaha wakati unasikia sœur wala frère iko mgonjwa. Yo. Jumu likoroganaka kukakitu. Profite kusema akome kwanza. Mungu baba. Il ne faut jamais être content ou contente. Lorsque tu apprends qu'un frère ou une sœur avec qui tu as eu des pépins avoir un problème, tu dis qu'il subisse d'abord. Pour les hommes qui avaient des femmes qui sont des chrétiennes, ninyi waume ambao wake zenu ni wa Kristo, prenez-les avec du sérieux. La seule persécution contre cette femme peut t'ôter la vie. Kutesa yule mwanamke inaweza kukunyanganya uzima. Hérode n'a pas survécu.
Herode hakusimama mbele ya hiyo. Hakuishi. Osez troubler les gens. Jaribu kuvuruga watu. Mais quand tu arrives à un enfant de Dieu. Lakini unapofika mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu. Mtoto wa kweli wa Mungu. Allez lentement. Uende pole pole. Tous ceux qui ont troublé, persécuté les enfants de Dieu. Wote waliovuruga na kutesa watoto wa Mungu. Ne s'en sont pas sortis indemnes. Hawakujitosha mule wao wenyewe. Cherche. Utafuta. Cherche. Tafuta. Ou soit ils étaient obligés de croire. Au wali. Sukuma kuamini. Dieu de ses enfants. Mungu wa wale watoto. Le Dieu de ses croyants. Mungu wa wale waamini. Ou ils étaient obligés de faire les bras de fer et subir. Wenye walijitoa kupambana nao na kupata mapigo. Ils ont subi. Walipigwa. Ils ont subi. Walipigwa ka. Même dans vos foyers. Hata katika nyumba wenu. Vous êtes tous frères et sœurs. Ninyi wote hata ni waamini. Vous voulez troubler l'autre. Moja nataka sumbua mwingine. Faire manquer la paix. Amukosesha amani. Dieu peut arriver à décider. Mungu anaweza fikia kuamua. Je ne dirai rien. Nitawambia. Je dirai rien. Sita sema neno. Vous êtes censé connaître la colère de Dieu. Muna omba kujua hasira ya Mungu. Les études ont prouvé qu'il y a des moments où même Dieu fait semblant de ne rien dire. Eti wasomi walifikia kutambua kwamba inaweza fikia hata kwenye Mungu hata sema kitu. Et Dieu s'est tait. Mungu anajinyamanzia. Il agit après. Lakini atakuya tenda badala. Naboti a été vengé après 3 ans. Naboti alilipishiwa kisasi nyuma ya miaka 3. Et Ahab avait dit c'est fini. Lakini Ahabu alikuwa amejiinua na kusema ilishakaisha. Dieu va dire. Lakini Mungu yakasema. Ah, Naboti avait été tué. Ah, Naboti aliweza kauliwa. Qu'est-ce qu'on a fait de celui qui l'avait tué? Mwenye alimuwaka alifanyiziwaka nini? Rien. Hakuna. Ah bon? Kweli? Ok, on va se souvenir de. Sawa, habari yake imekumbukwa. 3 ans après. Nyuma ya miaka 3. Usisiki yake mtu mwenye alikoroga Mungu anajitapa. Uh-huh. Aseme mbe nilikufa nini? Uh-huh. Nyamaza. Chunga. N'accepte pas d'écouter le témoignage de quelqu'un qui a troublé Dieu et te dit qu'est-ce que j'ai eu comme problème? Je suis bien? Uh-huh. Non. Apana. Devant Dieu, les 3 ans, les 2 ans, ce sont des secondes. Mbele ya Mungu ile miaka 3 ilikuwa ni muda mchache. Un enfant peut faire les dégâts le matin à 8h. Mtoto anaweza fanya kosa asubuhi saa 2. Il le frappe à 18h. Anakuwa pigwa magharibi. Pour toi c'est 8h de temps. Ingalao mumepita masaa 8. Mais 8h devant Dieu ça peut être même 20 ans. Masaa 8 kwa Mungu inaweza kuwa hata miaka 12. Et Dieu voit que il a fait ça le matin, je le frappe le soir. Mungu mais nous c'est 14 ans. Lakini kwetu sisi inaweza kuwa miaka 14. Courbons nos têtes. Tuinamishe vichwa. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Quel défaut tu as? Una tabia mbaya gani? Quel est ton défaut? Tabia yako mbaya ni gani? Le prédicateur vous tendait aussi ça en deux, de 1 à 10 et de 10 à 20. Ils comprennent ce que je dis. Pour les mettre sur les YouTube, les streams restent. Et puis vous ferez de 1 à 10, de 10 à 20, de 11 à 20. Deux streams. Ils comprennent ce que je dis. C'est vrai, hein? Prions le Seigneur. Tout homme est Mungu. Cherchez parmi ses défauts. Tafuta miongoni mwa zile tabia mbaya. Est-ce qu'il y a un que tu as? Je, kuna moja unayo? Est-ce qu'il y a un que tu as? Kuna moja unayo miongoni mwa hizo? Zilizotajwa. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit? Je, kuna kitu kinachokuambia? J'aime parler des autres. Na tetaka wengine. Il y a quelque chose qui te dit. J'ai un problème d'argent.
Nina tatizo la pesa. Il y a quelque chose qui te dit. Una jambo linalokwambia. J'ai la convoitise. Mimi nakuaka na tamaa. Il y a quelque chose qui te dit. Uko kitu kinakwambia. Je discute trop avec mon époux. Nafanyaka ubishi mingi na bibi yangu. Il y a quelque chose qui te dit. Kuna sauti kuna kwambia. Dans moi demeure mes anciens amis qui m'amènent à ne même plus aimer mon épouse. Ndani yangu kuna fikaka kukumbuka wale warafiki yangu wanaonisukuma hata kuchukia mke wangu. Si y a quelque chose qui te dit, j'aime prendre les choses interdites. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit, j'aime poser des questions sur des choses que je connais pour trouver celui qui va me donner raison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit? Je suis toujours content du malheur de ceux qui m'ont fait le mal. Mina furahiaka taabu ya wenye walinitesaka. Il y a quelque chose qui me dit. Kuna kitu kinachonambia. En tout cas, je viens d'une famille tribale. Mimi na kwaka mu jamaa ya kubagua wengine. Mon ethnie elle est tellement tribale. Kabila yangu inabaguaka wengine. En tout cas, nous on ne voit pas les autres comme des humains. Sisi atuonake makabila zingine kuwa ni watu. Et chez nous, pour nous marier, c'est une obligation. Na kwetu kuoa lazima niwe mkabila kwetu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit? Je, kuna kitu kinakwambia. J'aime trop les païennes plus que nos sœurs. Mimi napendaka kuoa wapagani kuliko wadada wa Kristo. J'aime trop les païens plus que nos frères. Napendaka sana wapagani kuliko wa Kristo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit? Je, kuna kitu kinachokwambia. Moi je suis insouciant. Mimi siangaikake. Je fais des choses, la conscience me trouble rarement. Napanyaka vitu na dhamiri yangu haitanihukumu. Prions ensemble. Tuombe pamoja. Si tu trouves que c'est vraiment devenu une maladie de tous les jours, ukikuta kwamba imekuwa ugonjwa wa kila siku, qu'il te plaise de chercher les serviteurs pour te délivrer, ikupendeze tafuta watumishi wa kuombea, na kuwekea mikono kufukuza ile pepo. C'est un démon maintenant qui s'est installé. Maana sasa ni pepo ambayo ime penya na kupanga ndani yako. Ça peut commencer comme un défaut, ça finit par être un grand démon que tu n'échapperas pas. Inaweza anza kama vile tabia inakuja kuwa kama pepo iliyopanga ndani yako. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Oh Seigneur Jésus. Eh Bwana Mungu. Prions tous. Tuombe sisi wote pamoja. Demandons la miséricorde. Tuombe rehema kwa Mungu. Dites. Sema. Je ne vais rien avoir avec ces 20 défauts. Sitaki kuwa na lolote ya hizi tabia mbaya makumi mbili. Tuombe sisi wote pamoja. Kila mtu baada ya kujichunguza aone ni nini ataombea. Oh Seigneur Jésus. Eh Bwana Yesu Kristo. Dieu puissant. Gardez votre destinée. Chunga siku zako za usoni. Tu as un bon avenir mon frère. Ndugu dada, una siku nzuri. Tu as un bon avenir ma soeur. Dada yangu, una siku nzuri mbele yako. N'accepte pas que ce défaut détruise ton avenir. Usitike zile tabia ziharibu siku zako za usoni. N'accepte pas. Usitike dada. Tu as encore du temps. Kungali muda. Tu as la grâce. Uko na neema. Tu peux changer ici même. Unaweza badilikia tangia hapa. Dites au Seigneur. Ambia Mungu. Je ne veux rien faire avec ce défaut. Sitaki kuwa na uhusiano wote na haya hizi tabia mbaya. Ce défaut détruit beaucoup de gens. Sorry. Ce défaut détruit beaucoup de gens. Zile tabia ziliharibu watu wengi. Je ne veux pas en être la victime. Sitaki na mimi niweze kuwa moja wao. Nous allons demander trois serviteurs pour se tenir devant la chair. Tuta alika watumishi watatu wasimame mbele ya mimbari. Là à l'autel. Hapa kwenye madhabahu. Vous pouvez lever leur Bible.
Watainua Biblia zao. Maudire tous les défauts. Walaani tabia zote mbaya. Tout. Zote. Les 233. Zile 233. Watumishi watatu wasimame mbele ya altar. Élevez vos bibles. Inueni Biblia zenu. Rapidement. Haraka iwezekanavyo. Maudissez. Mulaani. Et après vous allez maudire la maladie. Na, kwa kumaliza muta laani magonjwa. Vous prononcerez les bénédictions au Père. Na muta tamkia taifa baraka. Donc maudissez les défauts. Kwamba mulaani tabia mbaya. Maudissez la maladie. Mulaani magonjwa. Prononcez les bénédictions et les réponses aux inquiétudes de la baraka na majibu kwa shida za taifa. Prions avec vous. Tuombe pamoja na ninyi. Allez-y. Omeni sasa. Bwana Yesu. E Mungu. Bwana. Bwana Yesu. Bwana Mungu. Bwana. Yes, so. Bwana Mungu. Bwana. Bwana Yesu Kristo, Mungu wetu. Tulianza tukakuita, tunamaliza tunakuita. Takasa kanisa, takasa watumishi. Tuwezeshe kuishi bila madefo. Patie maisha yaliyo safi kama yako Mungu. Maana Kristo uliishi miaka 33.5 kudunia. Ulimaliza bila defo yoyote. Yenye ingeweza kuletea watu uchungu. Karibie, safishe, ututakase. Yenye yamelaniwa na watumishi wako yamelaniwa. Yenye ametamkiwa baraka kwa watumishi wako yametamkiwa baraka. Acha wagonjwa wetu wapone. Wajawazito wazae kwa amani. Wasafiri wafike kwa amani. Waliona shida zipate majibu. Na mkono wako endelee kuonekania kwetu kwamba utufanye watumishi na wandugu na wadada ambao
hatushitakiwe lolote. Tunaandaa kunyakuliwa, ndio maana tunakutaka wewe kuendelea kutushika mkono. Tunaporudia ukutane tuko tayari. Ikionekana kesho kuna ibada, utupatie yanayofaa. Na kama hakuna, kuna kunyakuliwa leo, wewe umeziandaa roho zetu kulaki hewani. Wabarikiwe watu wako wote kudunia nzima kwenye wanapatikana, na wale watakuwa na nia ya kukupendeza usiwapungukie kwa lolote. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana wabariki.